Allez, on est de retour au stade New Madélé. Il va falloir oublier la désillusion du week-end dernier pour l'AS Magenta, comme pour Tigasport, John. L'AS Magenta et Tigasport qui se sont inclinés lors de la cinquième journée le week-end dernier. C'était la dernière journée de la phase aller. Il faut maintenant rebondir, vite repartir de l'avant. Pour Tiga qui a des objectifs élevés cette année et qui va essayer de recoller au leader Yengen. Mais cela passera par battre aujourd'hui l'AS Magenta qui elle aussi est revancharde après sa défaite de but à zéro face à Dumbé AFC le week-end dernier. John. Dumbé AFC, ouais, c'est clair que là les deux équipes qui, la première, donc Tigasport que tu as cité, a des ambitions pour justement coller le haut de tableau. Et puis Magenta qui ne veut pas justement sombrer dans les fonds du classement et essayer de sortir la tête de l'eau pour rebondir et accrocher ce wagon. Dès voilà. Du peloton. Voilà pour le contexte du match. Tigasport qui jouera en rouge aujourd'hui et Magenta en blanc. Les compositions des deux formations avec du côté de Tigasport, club recevant aujourd'hui, Pierre Wadjoka qui part, qui reste sur son 4-3-3 mis en place samedi dernier face à Yengen Sport. Avec dans les buts, on retrouve Jean-Paul Toupaïssi. La défense à 4, Wadra, Jean-Brice Wadriaco, Henri Ouellepane et André Mala qui rentre sur le côté droit de cette défense. Au milieu de terrain, on retrouve Pierre Bacco en sentinelle avec un peu plus haut le capitaine aujourd'hui, Ronald Ureguey, assisté dans cet entrejeu par Petro Wadjonou. Devant le trio, Titouan Richard, Louis Soya, David Béarounet, Richard Sédé est absent. Là, et c'est pas Henri qui va jouer en 4, c'est vraiment Dimitri Didou, qu'on appelle William aussi, je crois. Willy Ouellepane. Willy, voilà. Du côté de l'AS Magenta, on le voit, le capitaine Kevin Emia qui mènera, qui tentera d'amener les siens vers eh bien une quatrième victoire dans cette saison 2021. Dans les buts, on retrouve Steve Hiroé, le trio d'arbitres qui sera aujourd'hui, on y viendra après, Médéric Lacour, Bertrand Brial et Régien Camouy. En tout cas, au niveau de la composition de l'ASM, 4-2-3-1. On ne bouge pas, on ne change pas de système du côté d'Alain Moisan avec dans les buts. Donc je le disais, Steve Hiroé, la défense à 4 avec Clément Guinaudo qui rentre côté gauche. Charouine, Makam, Waounier, ça ne bouge pas. À la récupération, Roberto Waya et Kenny Waitreux. Nemia Nemia en position de meneur de jeu. Et là encore, on ne bouge pas côté Alain Moisan. Et puis devant le trio de Villers, Nemia Foubert qui retrouve la confiance. Et à qui, en tout cas, on redonne la confiance du côté d'Alain Moisan. Voilà donc pour cette rencontre de la 14e journée de Super League. Et donc ces deux formations qui vont vouloir, John, entamer au mieux cette phase retour du championnat élite Kagou. C'est clair qu'aujourd'hui, ça va être une réaction positive à donner, montrer un autre visage de ce qu'on a pu voir le week-end dernier, où c'était deux équipes qui ont été muettes toutes les deux. Une contre Dumbéa et l'autre contre Yengen. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Coup d'envoi donné par Nemia avec un rappel de score, le score nul intéressant juste avant sur l'AFCF TV Web entre l'AS Wetch et l'AS Kounier, un but partout. Et puis une victoire importante à l'arraché du SNJU, un but à zéro face au Racing Point Limier. On nous avait annoncé un but partout, mais il y a un but qui a été refusé pour le Racing. C'est Emile Hatché qui a buté pour Atanaï qui reprend virtuellement la deuxième place du classement. Mais c'est bien quand même Point Dimier qui a tenu tête à un des favoris en première place. On les salue, les joueurs du Racing et de la Côte Est. On espère qu'il y aura autant de rythme qu'au premier match. Dans cette rencontre donc entre Magenta et Tiga, Damien Emia qui a gagné son premier duel. Foubert décale son capitaine Kevin Nemia. Frappe de Kevin Nemia. Bien joué, tout pas ici. En confiance sur cette prise de balle. Titouan Richard là-bas, côté gauche, qui retrouve donc sa place de titulaire. Retour aussi d'André Mala sur le côté droit.
Cette équipe, attention, 2 contre 3. Il part en fixation là, Nemia Nemia. Ça c'est bien, ça il couvre bien Dédé là derrière. Son pied gauche, au pic vers l'axe. Bien cadré ça. Et il passe quand même, Nemia Nemia. Ouais, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Ça excuse. Est-ce qu'il est conscient d'avoir gâché? John, 305 buts marqués sur cette phase aller en 77 matchs disputés avec un match en retard qui sera joué et disputé le week-end prochain entre l'Horizon Passo et le Senegiu. 3,96 buts. Ouais. C'est beaucoup. De moyenne hein, par match. Soit on a de super attaquants, soit on a de mauvais défenseurs. En tout cas, il y a des réglages défensifs à trouver. C'est un peu le péché mignon du football calédonien. C'est une grosse faiblesse au niveau des déplacements, au niveau des placements défensifs. Alors nous, c'est vrai qu'on voit des buts forcément, mais les techniciens et les coachs, c'est pas. On sait que ça leur déplaît hein, quand c'est on voit son équipe qui prend beaucoup de buts. Et c'est ce qui devra être gommé en tout cas pour certaines formations dans cette phase retour avec une moyenne de buts de 23,4 buts inscrits par journée de championnat, ce qui est énorme. C'est beaucoup. Et on est, le disais, pratiquement 4 buts, 4 par, buts match. Par match. Et là aujourd'hui, quand on regarde les deux premiers du classement, c'est 10 et 11 buts encaissés en 13 matchs, soit 1 but par match. Donc c'est bien comparé aux autres qui sont à plus de 2 buts par match encaissés. Et on va suivre forcément le score à distance du leader Yann Gensport qui accueille à 16h. Hein, c'était donné le coup d'envoi du côté de Yoshida Kone. Yann Gen qui accueille l'AS Mondor. Alors ils ont une petite marge d'avance les Nordistes, mais attention, la saison est longue. Je ne vais pas se faire avoir. Couvre. Un joueur JB. Quelques absences à noter du côté de Tiga aujourd'hui. Richard Sellé. Voilà, Jérémy Dokunengo, Jean-Christophe Joka. Beaucoup d'anciens de l'ASM hein, qui retrouvent leur ancien club. On voyait à l'œuvre Jean-Brice Wadriaco notamment. Tiga, champion en titre, on n'oublie pas, qui va devoir donc défendre son titre bec et ongles cette saison. Et je le disais, va falloir vite oublier cette. Défaite sévère face à Yenken. Ça a été une désillusion, comme tu l'as dit, pour les deux équipes. Parce que Magenta aussi était sur une belle marge de progression. Et puis d'un seul coup, prendre deux buts par Dambéa. Et même dans le jeu, hein, ils ont été absents. Et pareil pour Tiga. Tiga Sport, ils en prennent quatre. Mais dans le jeu, ils ont été complètement inexistants. Et Yenken qui était en démonstration de force le week-end passé. Et on s'excuse à nouveau de la mauvaise connexion qu'il y avait eu le samedi dernier. Hein. Ouais. Une connexion qui avait lâché et le match qui. La deuxième mi-temps qui pourrait être vue sur la FCF TV Web dans la semaine. Tout comme le résumé de ces rencontres, deux rencontres de la 14e journée. Ne ratez pas aussi Calédo Foot qui sera mis en ligne lundi avec une interview de Georges Gopfenepej. J'en avais profité aussi de sa venue sur le caillou. Il était en vacances, Georges Gopfenepej, Waddle. Un retour aussi sur les assises du foot Kagou, dont d'ailleurs c'était l'avant-dernière étape aujourd'hui au niveau du sud, du côté du CISE de Koutio. On salue les acteurs du sud et le comité sud donc, qui ont participé à cette date mise en place par la fédération. N'oubliez pas la synthèse finale qui aura lieu 31 juillet. C'est bien retenu, je crois. Monsieur Christian Carambeu, parrain de cette première édition, avec des fiches projets qui sont sorties sur chaque étape. Donc intéressant. On salue donc forcément les élus de la fédération pour cet engagement pris. Oula. Hop là. Ah, il a hésité. Ah. Il avait vu son coach sur le côté là. Il voulait faire une 2 avec OS. C'est rare. Hein, ouais, peut-être qu'il a voulu faire une 2 avec OS. Hein. Je sais pas. Et on avait vu un entrejeu surnagé contre Yengen du côté de Tiga la semaine dernière. Et... C'était noyé, il n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. C'est le milieu de terrain, en tout cas,
Alors que Yengen vient d'ouvrir la marque du côté de Koné. Oui, il n'y a pas de solution. Je vais essayer David, une seule, trop tard. Une touche. Un peu d'espace. Une touche pour. Pourquoi il ne la donne pas à Tito? Voilà, ouais, ballon perdu. Ça, il a fait deux touches et c'est la touche de trop. Voilà, je lui dis, Nico Foubert. Il aurait pu jouer simple, il avait justement cette solution sur sa gauche, il a attendu. Guido. Il faut se parler. On marche un peu dessus les deux récupérateurs et on se dégage côté Makam Wadriako, ancien capitaine de l'ASM, qui allonge. Ils ont vu que ça, de l'intersaison. Hein, ça avait pas trop marché la semaine dernière. Enfin, le week-end dernier, balancer. Ça... Bien joué là, Wellepan. Bien joué. Les deux. On voit quand même l'équipe de Tiga qui a l'image de tout à l'heure, cette passe en touche. Une équipe qui a l'impression qu'elle doute ou je sais pas. Rougnier. Foubert. Avec la montée de Waounier contré. Ouais, attention, Titouan Richard, il va très très vite. Titouan Richard, son pied gauche. Titouan Richard, on voit même balle au pied. La différence à la course qu'il fait. Et il était tout seul à l'opposé. Il fallait qu'il s'écarte encore. Il regarde vraiment pas où il court. Il s'intéresse juste à regarder le ballon plus que regarder l'espace qu'ils occupent. Et ça, c'est un réflexe à avoir. Sur l'occupation de l'espace, sur l'occupation du terrain. Un coup qui a renversé vers André Mala. Un des anciens de cette formation de Tiga, Dédé Mala. Alors au duel, il est dur sur l'homme, André, Dédé. Ah, c'est un joueur où on peut compter dessus sur l'aspect défensif. Guerrier. C'est un guerrier, il lâche rien et puis il va au charbon. Ah, c'est Titouan Richard qui va se charger de ce coup franc lointain, on va chercher... L'aérien, les deux l'aérien dans cette surface de réparation. Oh, ils ont quand même trois grands, Louis, Willy, enfin Dimitri et puis. Et puis JB. Qui sont aux avant-postes là. C'est bien tiré. Avec une déviation, ça revient dans les pieds de Wellepan. Cafouillage total. Mala. Pardon, Wadra qui renverse le jeu que David Béronnet et la faute signalée par Monsieur Lacour. On retrouve Monsieur Lacour, arbitre FIFA de la Nouvelle-Calédonie. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu à l'œuvre sur la FCF TV. Et ben voilà. Et on a eu à noter un très bon arbitrage au premier match télévisé de ce jour. Enfin, on n'a pas eu quand même depuis le début de cette saison, on n'a pas eu de grosses erreurs d'arbitrage ou de. Ils ont toujours su gérer ce match correctement. Des fois il y a des petites erreurs, mais c'est normal. Il a fait ça avec Nodot, il a trouvé son capitaine. Il y a une grosse faute, il y a eu une grosse faute tout à l'heure sur De Villiers, c'est ça. Bien arbitré. Le pote de Baco, c'est très bien arbitré. On revoit. Fait ce petit extérieur du pied. Et coup franc pour le même Clément Guinaudeau. Ça va être rentrant avec un mur à deux mis en place par Toupa ici.
tiré ça. Vadriaco, ça revient vers Foubert. De Villers, pardon. Après, un ballon qui. Il l'a remis en jeu. Alors, il la laisse pas sortir. On remet ça dans la boîte. Ouais, il faut venir en soutien. Ouais, bien fait ça. Nodo, allez. Recherche à nouveau dans la boîte. Heureusement, Wellepan était vigilant. C'est derrière. Petro Wadjonou. Il était là, Nicolas Foubert. Ça, c'est bien fait. Non, ça ne marchait pas ça la semaine dernière. Il faut qu'ils arrêtent de continuer d'insister sur ce genre de. Il a temporisé là, Petro Wadjonou. Voilà, ce jeu au sol avec Nemia. Bako. Bien joué, bien imposé là, le jeune Waouni. Et Jean-Brice Wadriaco qui ne prend pas de risque. On cherche vers Louis Waya. Louis Waya, mais. On aura un petit week-end de pause le week-end prochain, John. Pas de journée prévue. On se retrouvera lors de la 15e journée, le 31 juillet. Ouais. Attention. Attention, ce bon ballon. Avec De Villers. La surface de réparation. Ce petit ballon en retrait, la frappe. Et voilà. Quel but de Kevin Nemia. Kevin Nemia, ça fait 1-0. Un quart d'heure de jeu. Magenta, un quart d'heure de jeu. Et c'est là où il est intéressant, Nicolas De Villers. Il a toujours technique. Été actif sur son côté. Il a vu nombreuses situations. Voilà. Et Nemia qui avait déclenché ce renversement. Oui, il se rend disponible. Et après, il temporise. Et la passe juste et le geste juste de Kevin Nemia, ça fait 1-0. 1-0. Et Tiga, le champion en titre, surpris d'entrée. Mais oui, mais après, faut qu'ils ont vu que la semaine dernière, je me répète, hein, mais c'est long ballon, il continue. Et voilà, c'est reparti. Un long ballon. Et ça n'a pas marché la semaine dernière, mais ils insistent. En tout cas, la SM qui lance bien cette rencontre. Il y a du temps, forcément, pour revenir dans cette partie côté Tocanode. Voya bien fait. Ah, ils sont bien rentrés dans cette. Ils sont présents en tout cas au duel, bien en place. Côté Magenta. C'est bien ça, c'est bien joué, il faut s'écarter encore plus. Voilà. Au milieu, il y a un petit espace au milieu, il faut lui le prendre. Bien joué, Nemia. Ah non. Plus juste. Il faut écarter là des deux côtés. Voilà, c'est trompé Nemia. Ils rendent directement ce ballon. Wadjonou, Bako, voilà. Voilà, c'est ça. Sol. Ils sont intéressants là. C'est milieu de terrain de Tiga. Et finalement un ballon perdu. Heureusement Wellepan intervient. Voilà. On met le pied sur le ballon. Le petit pont. Deux coachs qui se connaissent bien, forcément, oui. Alain Moisan et Pierre Wadjoka, qui a été très longtemps le capitaine d'Alain Wawes en tant que joueur, et puis l'adjoint ensuite. Et puis, leur premier match qu'ils ont, enfin, le premier match, c'est pas le premier, mais en tout cas, de ce championnat qui a été disputé à l'aller, où Tiga avait remporté 4-2. Si je me souviens bien, ça avait été lourd pour Alain Moisan. 5-2, voilà. Nemia, donc c'est tenté un beau geste. Attention, c'est. Ouh là là, oui. S'en sort bien, oui, les pannes. T'es un peu laissé seul là. Ah, il y a aussi Joël Wakanomune qui est absent, effectif. Qui manque. Par son expérience, est capable de justement calmer, poser le jeu. Ce qu'on retrouve pas pour l'instant
sur ce début de rencontre. Côté Tiga. Petro Wadjounou avec son capitaine Uregei. De Villers, bien fait, Guinodo. Alain Mazan qui donne de la voix au bord du terrain, ça décale vers. Il a téléphoné. Ce ballon avec un. Attention, heureusement, Tistil. Ouais, bien joué. Alors, c'est les postes, là, milieu relayeur devant la défense. Tous ces ballons perdus, là, en plein axe. Dangereux, surtout, surtout qu'on enclenche une action offensive. Donc, forcément, on essaie de créer des espaces. Donc, on donne une fébrilité à notre défense. Et si on perd ce ballon. Derrière, il va falloir réagir très vite. Et c'est ce qui s'est passé pendant l'Euro. La plupart des équipes. Oh, super. Quelle prise de balle de Titouan Richard. Titouan Richard. Et il ne dit rien, monsieur Lacour. Ouh, on va revoir ça. Oh, faut revoir ça. Faut revoir ça parce que normalement, là, il y a eu plusieurs fautes sur le coup d'accélérateur encore de Titouan. Ah, mais oui, c'est. J'aurais bien voulu le voir contre Yangen. Allez, on revoit. Ah, on le voit. Avec cette tête de bien fait de Louis Waya. Quelle prise de balle. La première faute. Et la deuxième faute. Ouais, bah oui, il y a deux fautes. Deux fautes consécutives. Après, il a estimé que. Pas d'intention de. Pas anti-jeu, mais en tout cas. Au vu des images. Alors, on les reverra tout à l'heure, je pense, au ralenti. La première faute qui déséquilibre le joueur. Au moins celle-là. C'est parti. Ça se bat là dans l'entrejeu avec un ballon récupéré par Magenta, mais tout de suite redonné. Récupéré à leur tour par Tiga qui jette un peu trop ses ballons là pour l'instant. Ah non, il n'y a pas de construction. C'est. On voit Magenta quand même qui pose le jeu, qui joue, qui. Voilà, il y a toujours. Nemia qui vient prendre justement. Ouais, c'est très disponible, Nemia. Après, c'est clair que c'est le dernier geste qu'ils n'arrivent pas trop à réaliser correctement. Petit contrôle orienté, bien fait. Attention. Simplifier le jeu au sol, c'est plus simple. Il essaie de jouer dans les airs. Et Waya, un calme en couverture. Avec Tcharoïné, cette nouvelle paire défensive axiale. Tcharoïné, faut pas qu'il ait honte de dégager ou de sortir son équipe de la pression de l'adversaire. Avoir honte de dégager, il faut dégager des fois. Et voilà la touche, Richard, Titouan Richard, conserve son ballon, bien fait. C'est pas le dernier ensuite, et Nemia qui peut relancer. Qui obtient la touche. Et on joue depuis 21 minutes de jeu et cette ouverture du score signée Kevin Nemia qui sourit pour l'instant aux hommes d'Alain Moisan. Et Kevin Nemia qui en est à 11 buts, il rattrape l'éco meilleur buteur. Trop, Jordan Wechia et Amir Rouiné à 12 buts pour l'instant. On verra si Antoine Rouiné plante ça aujourd'hui. Titouan Richard, ça s'est fait encore. Titouan Richard, la frappe, belle parade de Stevie Roué. C'est là où défensivement. Magenta, ils ont mal joué le coup et offensivement, pareil pour Tiga Sport. Là, on voit, il est vachement haut, Makam. Derrière, il n'y a aucune couverture sur le deuxième défenseur. Tout en retard. Toutes les lignes. Toutes les lignes. Et derrière, Tiga Sport joue mal le coup alors qu'ils auraient pu avoir une belle possibilité là d'égaliser.
Mais ça peut venir s'ils arrivent à poser le jeu, jouer simple. Ils savent le faire. Mais il faut le faire. Il y a une petite feinte bien fait. Ouais, il complique de trop. Tout à l'heure, il touche. Wadra s'en sort bien. David Wadra. Il exagère sur ses touches de balle. Ça, c'est bien joué. Appuie trop tard, Louis. Fallait donner de face. Louis Waya. Non, c'est trop tard, c'est fini. C'était retourné. De face, il aurait donné du rythme et il était parti titouan sur la gauche. Guinodo là qui va un peu s'enfermer. Et ils s'en sortent quand même avec Nemia là qui prend le dessus. Kevin Nemia dans la surface de réparation. Le retour de Wadriaco, bien fait. Heureusement, mais sur un petit périmètre. Un beau contrôle orienté, voilà, on le voit. Ils sont fait avoir là les défenseurs de Tiga. Attention. Kevin Nemia au corner, ça va être sortant. Boussal au second poteau. Et dégagement. Chiaruini, bien fait. Jean-Baptiste Chiaruini qui poursuit sa chevauchée. Et on revient à la faute côté arbitre. Perforer cet axe là. Voilà. Ça va être pour Clément. Les petits supporters Guinodo qui sont là. Voilà, les futurs footballeurs de ce pays. Et un peu de public encore aujourd'hui. Stade Oumadeli. On rappelle que demain, l'AS Lossy affrontera ici même à 14h la JS Baco. JS Baco. À suivre au stade et. Pas en direct donc sur la FCF TV. Il faudra venir au stade demain. Rendez-vous pris pour les supporters notamment de l'ASL et de l'AJS. Wadra de l'autre côté, côté gauche, qui trouve encore devant lui la Rouné. Il est encore là, David de Wadra. Super ballon vers Titouan Richard. Attention, Titouan Richard et encore heureusement une couverture de Chiaruini. Ouais, il était loin, mais plusieurs fois, il va falloir qu'il fasse attention à Chiaruini parce qu'à chaque fois, il est en retard. Makam, des fois, il est trop haut. Bah, c'est lui qui vient couper. Hein. Ça part de là-bas, côté droit, où Wani il laisse quand même beaucoup d'espace, à Titouan Richard. Et on voit encore, hein, c'est encore une fois, c'est du 2-3 contre 1. Et voilà, même, ça c'est très bien joué. Avec un de mauvais l'Ouest. Ballon, heureusement, pour Magenta. L'Ouest, elle, voilà, il voit l'Ouest. Un bel effort défensif de l'Ouest, Waya. Bien joué. Il gagne la touche, c'est bien. Toujours généré dans ses efforts. Voilà, c'est dommage que David Barouni, il n'est pas dédoublé à gauche. Il faut donner toutes les solutions possibles. Donc, Yengen a doublé la mise face au Mondor. Stade de Koné. C'est coup franc beaucoup trop lointain de Titouan Richard. À noter aussi le début des matchs ce week-end sur Nengoné de la Coupe de Calédonie avec les tours provinciaux et par district aux îles. Stade de Nengoné demain, rendez-vous pris pour les Maréens. L'équipe à 13h30 de Payo Checo. Salut la tribu de Eni. Face à Centrale à 13h30 et à 15h, Wachaele et sort. Ce bon ballon avec pourquoi pas l'occasion de doubler pour la mise pour Foubert. Incroyable. Ah, ça rend fou à la moisan en bas de l'écran. On le verra tout à l'heure, mais il avait fait le plus dur, Foubert. Ah, il avait fait le plus dur. Et puis c'est une belle passe de Nemia. Super ballon de Nemia. Hop. Quel ballon. Et Nicolas Foubert, un contre un. Olepan. Olepan qui est battu. Pas de l'axiste là-dessus. Et là. Je pense qu'il a cru que le but se déplaçait en fait. Ouais. Qu'il y allait, c'est dommage il a voulu feinter de but. La réaction d'Alain Moisan, parce que c'est vrai qu'il rate beaucoup d'actions.
parfois décisive, la SM cette saison. Et ouais, on pense à Nicolas Devillers. On peut... ah, voilà, attention. Encore une fois, là, Kevin Lénia, le bon ballon. Et le, voilà, ce doublé. Et voilà. Et il se rattrape. Il se rattrape, il Nicolas se rattrape, Foubert, l'ascenseur et émotionnel. Et on double voilà. la mise du côté de la SM avec devient... ce superbe ballon de Kevin Lénia. Et voilà. Beaucoup trop laxiste, cette défense de Tigaspor. Il va falloir se réveiller côté défense de Tocanod. Ouais, parce que là, en une minute, je crois, de temps et deux occasions pour le même joueur. Là, on voit une erreur. Ils sont battus sur tous les duels. Wellepan, beaucoup trop tendre. Kevin Lénia qui tranquillement glisse ce ballon. Voilà. Cette fois-ci et à. Trop loin, David Wadra. Nicolas Foubert qui ne rate pas le coup. Quand le ballon était à droite, le joueur qui est le plus à gauche redescend pour assurer la couverture de cette défense. Et là, on voit que Wadra est en retard. Et ça fait 2-0 pour Magenta. Et ils vont insister encore sur cette. Stratégie de jeu qui est de jouer long alors qu'ils ont les capacités de trouver des relais courts pour après aller chercher plus loin, donc construire, créer des espaces, créer un décalage avant d'allonger le jeu par des jeux courts. Il y a John Tiga qui est en difficulté dans les duels. Il n'y a pas de secret dans le foot si on perd ces duels. Je crois que c'est ça a été. On verra après parce que là c'est il reste encore du temps. Voilà, il va falloir qu'ils se remobiliser. Se remobiliser. Le plus important, c'est la réaction. Si on y, à ce niveau-là, ils arrivent justement à se reprendre en main, trouver des situations qui vont mettre en difficulté Magenta, et ben, il faut y aller. Mais par contre, ils encaissent un autre but, ça va être difficile, difficile de revenir dans la partie. Hein. Et quand même un 6 buts encaissés en deux matchs. C'est à ce moment-là, on n'arrive pas à retrouver cette solidité défensive de Tiga qui prend quand même beaucoup de buts. Il prend beaucoup de buts. C'est pour ça que je disais la dernière fois que Tiga, c'était exceptionnellement, c'était une des équipes qui était dans le haut de tableau avec beaucoup de buts encaissés quand même. 25 hein, au 25 total avec ses deux buts. Comparé à Nedio qui est deuxième maintenant avec 10 buts encaissés. La meilleure défense du championnat. Et là encore, on parlera peut-être aussi des absents. Jérémy Dokunengo, Loïc Wakanamune qui est blessé depuis le début de saison. Après, anciens, Joël aussi qui peut peut-être, jouer. Peut-être Jérémy, mais après les deux autres, Wakanamune, ils n'étaient pas là quand Tigaspor a quand même accroché, était quand même deuxième. Donc ils peuvent apporter ça un plus, hein, ils apportent un plus, mais déjà sans ces deux-là, qui peuvent apporter un plus, sans ces deux-là, ils étaient dans le haut de tableau. Peut-être Jérémy. Il va falloir trouver les repères défensifs là. Rien qu'aujourd'hui, on les sent trop tendres. Et puis même au niveau des duels, c'est clair que les deux frères Wakanumune là sur le terrain, ils vont gagner tous les duels. Maintenant, c'est clair que le besoin là, c'est ça. Hein. Contre Yangin, ils ont gagné zéro duel. Non, j'abuse un peu, mais en tout cas. À la maman. Voilà la maman. Famille de Titouan Richard. Et Tiga très mal embarqué dans cette partie. Au contraire de l'AS Magenta qui continue de pousser. On n'est pas loin du 3-0 encore là-dessus. Ouais. Ouh, je sens le si ça en reste là, le petit coup de gueule de Wawes à la mi-temps. Ouais. On les sent un peu. Mais on n'arrive plus à trouver la qualité de jeu qu'avait Tigaspor sur cette première début. Ce premier sur ces matchs aller pour simplifier les phrases. On trouve plus ce jeu séduisant où on alternait le jeu court au jeu long. Là c'est que du jeu long. Dès qu'on a le ballon, on essaie de trouver loin devant. Un peu dans le dur, bon après il y a des trous d'air hein, comme ça dans la saison, mais ça peut coûter cher à Tiga cette saison. Ouais, et là il y a un rouge, non pas rouge, jaune. Avertissement logique. C'est ça les fautes intelligentes. Ça, c'est clair, c'est une faute intelligente. Parce qu'ils étaient retrouvés à 2 contre 1. Titouan Richard. Au revoir. Tu vois, ils amorcent une attaque. Ils sont tous en retard. Et là, on voit Titouan. Voilà. Ça. Sur le bout du pied, là, il a écrasé le pied de Ouessoya. Tchirouiné qui avait perdu le ballon. Il s'était mis en délicatesse sur cette action.
se relever, Louis Waya. Qui est le meilleur buteur de Tigaspor cette saison? Oui. 8 buts au compteur. Long ballon dans la surface de réparation. Jean-Brice Wadriaco pour peut-être sonner la révolte. Ah, il va falloir trouver les ressources mentales aussi. Là, faut vite réagir. Côté Tiga. Il y a la touche. Au-delà de ce qui se passe sur le terrain, tactiquement, techniquement, mais c'est vraiment aussi au mental. Il va falloir c'est ça. Y aller. Hein, au charbon, comme on dit. Se faire mal et vite revenir dans cette rencontre. Si on veut espérer ne pas connaître un nouveau faux pas côté Tigas. Et faire preuve de capacité d'analyse sur le terrain de comment. Attention à ce ballon. Dégage comme on peut. Comment on doit se comporter pour débloquer la situation. Et pour l'instant, on n'a pas forcément la bonne du côté des Tigaspor. Voilà, à l'image de. Là, dans l'axe, Anemia qui est tout seul. Il l'a vu, Kevin. Voilà qui est fait, il a servi son coéquipier à une glissade qui profite de Villers. Heureusement. Ah non, là c'est. Dans le dur. Allez. C'est là qui contrôle mal ce ballon. Heureusement, le gars, Ronald qui couvrait. Ça fait quand même mal, 2-0 à la mi-temps. Il reste 10 minutes de jeu et on espère que le score ne s'aggrave pas. Très tendu ce corner, la tête celle d'un joueur de l'ASM et on se dégage côté Tigaspor et David Baroni qu'on a très peu vu aujourd'hui. Malheureusement pour Tiga. Ouais. Ouais, et puis il multiplie les attaques. Hein, c'est voilà, encore un superbe ballon avec Kevin Nemia. Kevin Nemia, ce ballon en retrait était signalé en jeu. On voit. Il était pas, pas hors jeu du tout. Il y avait un mètre. Il était pas hors jeu du tout. C'était un superbe ballon encore dans l'intervalle là. Ah, c'est. Je sais pas comment il a trouvé. Le joueur hors jeu. Mais sur cette phase de jeu, on a vu un peu la défaillance de cette ligne de 4 pour l'instant au niveau placement. Ah oui, carrément. Puis même au milieu, ils sont étouffés. Il faut que André y rentre plus. Ils sont alignés et ils laissent. Oh, après, il faudrait plus qu'il y ait de solution. Là, voilà, Pierre Bacco, là, c'est lui qui doit demander ce ballon. Là. Il marche, il regarde. C'est lui qui doit donner, qui doit organiser, qui doit. On laisse JB balancer des longs ballons. Non, il faut justement arrêter ce genre de stratégie là, jouer loin devant et puis au sol et au sol. Privilégier le jeu au sol, le jeu court. Puisqu'on crée un décalage parce que là. Là, il n'y a personne, ça ne bouge pas au milieu, il n'y a pas de solution, on est obligé de balancer devant, il n'y a pas de joueur qui crée la transition pour Tigaspor. Et après, ils ne sont pas alimentés, les joueurs de devant, ils sont juste alimentés sur des ballons longs. Et Kevin Nemia, encore lui, qui est trouvé, Kevin Nemia qui fait encore une différence, Kevin Nemia, fin de frappe, il se met sur son pied gauche, la frappe, Jean-Paul Toupa ici qui limite la casse, là vraiment, on est au bord de la rupture côté Tiga. Voilà, c'est... Et il se régale, hein, Kevin Nemia. Ouais, là, il est en train de se régaler, Magenta. Oh, on peut voir le visage de Pierre Wajoka, enfin, des deux entraîneurs. Et puis on verra, il y en a un qui est plus serein et un autre qui doute. Alors, on voit superbe action de Kevin Nemia. Nemia qui est proposé sur le côté droit. Et puis les défenseurs de Tigaspor qui sont... dépassé.
Non, mais vraiment, ça commence par l'engagement. Je suis un peu surpris de. C'est ça. Les duels ne sont pas gagnés. Il n'y a pas de. Un peu nonchalant, en fait, finalement. Par Jean-Brice, hein, qui gagne ses duels. Ah non, mais... Jean-Brice, ça a toujours été. Hein, après, hop là, là bah, il va prendre un carton. Petite pilule là, normalement. Allez, Jean-Brice Wadriaco avec André Mala. Et au milieu là, et au milieu là, faut qu'il y ait plus de demandes au milieu là. Il marche, Bako. Là, il est tout seul. C'est lui qui doit demander tous ces ballons là pour créer. Faire le relayeur. Et Regaï qui lui aussi ne touche pas beaucoup de ballons, voire quasiment pas. Il faut se créer des espaces, il faut se créer, faire des appels, donner des solutions. C'est normal qu'après. On a fait ça. Bien. On a des ballons. Sinon, on n'a pas de ballon. On a bien fait ça avec Uriga. Il a qu'un peu d'espace et pour une fois, possession, mais dommage, on s'est mal compris. Chiaroine qui repartait de l'autre côté, il obtient la faute. Ouais. Voilà, faute de. Ronald Reggae. Plus de proximité. Jean-Marie Wegené qui vient nous saluer. On le félicite pour ce beau but sur le match de début d'après-midi. Superbe volée que vous pourrez revoir en replay sur la page Facebook FCF TV. FCF, pardon, attention, Super League et attention. YouTube FCF TV. On va suivre cette action. Voilà, plus de balles tout pas ici. Et au sol, voilà, c'est bien ça. Alors attention, parce que c'est vrai que Magenta, pour l'instant, fait première mi-temps pleine, on va dire. Je sais pas pourquoi ils ont cette envie de là-dessus. Balancer. Ouais. J'arrive pas à comprendre, ils peuvent revenir en arrière et trouver du jeu. Ouais, après, je pense et là, que il va insister sur un côté, le ballon, il arrive de là. Ce sera certainement les mots de Pierrot Joka à la mi-temps, d'essayer de retrouver... les solutions qui pour l'instant manquent cruellement côté voilà. Tiga Sport. Toucher 15 fois le ballon. Tout. Ah, faut qu'il donne cette faute. Ça, c'est trois moteurs là. Ronald Duregué, Pedro Adjonou, Bako. Donner du rythme au jeu. Petro peut-être qui serait plus intéressant à la place de Pierre Bako en 6, à ratisser et à jouer court pour ses deux compères, Ronald et Pierre Bako. Allez, pourquoi pas la solution émanant d'un coup de pied arrêté avec belle intervention de la tête Macam. Il parle plus qu'il le joue. Il a fait ça, le contre énorme à jouer avec un 4 contre 2 pratiquement avec Nemia qui décale Kevin Nemia dans la surface. Heureusement, bon retour d'André Mala, c'est pas fini. Super ballon ça. La tête. Super ballon, ça fait 3. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Quel rien à dire. De Villers, cette tête rien de à dire. Rien à dire. La démonstration là. Ah là, c'est une démonstration là. Ça Tiga tombe vite avec Portiga. C'est plus le Tiga Sport qu'on voyait. Sur la fin de cette première partie de championnat. Donc là, c'est vraiment. Il y a du froid. On va voir cette deux. Action en tout cas, John, avec ce ballon. Le petit ballon piqué de Devillers, super ballon. Et oui, voilà. Et il y a Titouan Richard qui court là-bas. Richard qui court. La tête. Magnifique en tout cas ce but. Et voilà. Et ça se complique ça sérieusement pour les hommes de Wawes. Voilà. Et on le voit à l'image, un homme debout, un homme à terre. Voilà. 2-0 à la mi-temps pour Yann Gainsport. But de Willy Yentao et Bruno Yanem. Ça profite justement à Nejihu de garder cette deuxième place si ça reste tel quel, sans avoir joué leur match en retard. Donc. Mais on sent vraiment de la fébrilité dans cette défense. On sent aussi une équipe au milieu qui, de terrain, c'était sa force, pouvait dégager un jeu intéressant.
construit. Et depuis, alors peut-être qu'il y a encore Yengen, cette défaite sévère, qui trotte dans les têtes. Non, mais après, c'est aussi, on peut dire, de Pierrot Joka. Il y a aussi le fait que Majota peut-être joue bien le coup et arrive à neutraliser donc ces trois milieux qui. Ces trois milieux organisateurs, et ils n'arrivent pas à trouver la solution pour sortir de là, les joueurs de Tiga. Mais en tout cas, c'est clair qu'au milieu, les milieux de Tigaspor n'arrivent pas à s'exprimer correctement. Parce que justement, c'est cette proximité des défenses, des milieux de Magenta qui arrivent à enrayer rapidement ou être proche de ces joueurs de Tiga. Le seul moyen de faire ça, c'est de donner, courir encore plus, faire encore plus d'appels, de contre-appels. Donner des solutions, encore plus de solutions. Là, on les voit, ils ne bougent pas, ils ne marchent pas. Ils marchent. Mais ça ne suffit pas. Et c'est par intermittence, c'est par à-coup. C'est chacun à leur tour qui bouge. C'est quand ils se sentent... Ouais, le collectif semble mis à mal sur ces 40... Tout le monde ne se sent pas concerné au même moment. À partir de là, il y a un décalage. On voit Uruguay qui tentait un soliste perforer cet axe au milieu de terrain, mais et en tout cas il se régale hein, devant les joueurs d'Alamoisan avec encore une fois Nemia Nemia très en jambe, petit crochet, le ballon vers Foubert désormais, attention Foubert dans la surface de réparation et heureusement Wadriaco. Oh là là, attention, on rend directement le ballon à Nemia Nemia. La frappe maintenant de Waounier. Ouh là 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 là. Ça devient catastrophique. De White, pardon. Hein. Il leur donne même des balles de but. Bah, c'est un peu à l'image de ce qui se passe ils sont sur tous cette en train première de marcher, période. Regardez, là. Ils marchent tous. Ils ont le ballon, ils marchent tous. Attentiste. On ne reconnaît pas les joueurs de, ah non. De Tiga, vraiment, aujourd'hui. Mais bon, il y a encore une mi-temps. Alors, des fois, dans le football. On a vu les derniers pas avec Wetch. 3-0, 3-3, 4. Donc on va voir si on peut réaliser le même scénario. Allez, Wessoya. Ouais. Là, ça va être compliqué. On arrive à la fin de ce temps réglementaire. Et Tigaspor qui est mené 3-0. La surprise générale, on n'attendait pas un score aussi net pour l'ASM. Après, si c'est clair que c'est une surprise, mais sur le jeu. En regardant le jeu, c'est pas surprenant qu'on arrive à ce résultat. Ouais, une équipe dans le jeu, Magenta bien en place. Ouais, Magenta est bien cohérente. En place. Cohérente, ça joue gagne au milieu, ses duels. Gagne ses duels, ça combine, ça alterne jeu court, jeu long. À défaut de. Vous voyez, ça alterne jeu court, jeu long. Et puis de l'autre côté, bah, on voit que du jeu long du côté de Tigaspor. Et c'est pas forcément le jeu qui les met le plus en valeur, qui leur donne de l'efficacité dans la réalisation de leurs actions offensives. Et pour l'instant, c'est aussi Nedjiou hein, qui fait la bonne opération c'est en dominant Poigny aujourd'hui 1-0. Ouf, dommage, là, il y avait une belle opportunité voilà. De revenir au score. Mais bon. Voilà, Neymar, putain, c'est un bon joueur. Petro Alcenou, c'est. Ah, on l'a pas vu. Très bon élément. Après. Il n'a pas eu de ballon. C'est ça. C'est vrai de ballon. Mais après, il faut qu'il fasse plus. Pour moi, les milieux, ça doit courir, ça doit proposer. C'est les métronomes, c'est eux qui donnent le rythme de ce jeu. Mais pour donner du rythme à ce jeu, il faut se rendre disponible. Et pour se rendre disponible, il faut faire des courses. Et pour faire des courses, eh ben, il faut bouger. Voilà, c'est la mi-temps. La Demain. Mi-temps, sifflé par l'arbitre sur ce score de 3-0 pour Magenta. Il va falloir réagir côté Tigaspor. On imagine que Pierre Wadjoka va essayer de trouver les solutions et les mots à la mi-temps pour mobiliser ses troupes. On va se retrouver juste après la pause. A tout à l'heure.
Dis-moi, pour l'anniversaire de Tommy, il fait comme d'hab, bonbon soda. Bah oui, mon cœur. Les sucreries, c'est tout ce qu'ils aiment, les enfants. Bah oui. À toute la team, Monsieur Coroy. On est en urgence contre Chabrier et Paquito. Il nous faut les meilleurs produits au meilleur prix. Tommy, si mes calculs sont bons, tu devrais avoir les parents en visu dans 5, 4, 3, 2, 1. Tommy, c'est bon, t'as réussi ? Super, Tommy. Pardon, monsieur, pourriez-vous m'attraper le jus de pomme qui est là-haut, s'il vous plaît ? Merci, monsieur, merci. Chargement de produit, c'est bon. T'es trop fort, Alex. Tu vois ce que je t'avais dit ? Quand on prend les bons produits, on peut pas se rater. Mission Corail réussie! Chez Corail, choisir les bons produits, c'est un jeu d'enfant.
De retour au stade Nouma Dele avec une seconde période attendue entre Tigasport et l'AS Magenta. L'AS Magenta qui mène 3-0. John, rien à dire, hein, rien sur à cette dire, première période. Avec, on va revoir les buts justement. Les 3 buts inscrits par l'ASM face à une équipe de Tiga qu'on ne reconnaît pas trop sur ces 45 premières minutes, voire pas du tout d'ailleurs. Et on voit complètement dépassé défensivement. Qui n'arrive pas à poser et retrouver son jeu. Le premier but au bout d'un quart d'heure de jeu. Sur un beau travail de Villers. Et c'est Kevin Nemia, un bon capitaine, qui a ouvert la voie royale aux siens. Et on les voit, regardez, sur ces duels, ils sont deux. Et puis finalement, à lui tout seul, Kevin Nemia gagne son duel. Et puis tranquillement, Foubert qui vient. Et juste avant, Foubert venait de louper l'occasion. L'immanquable, exactement. On est content pour lui, il a su se faire pardonner comme il fallait. Et puis là, voilà, la défense qui prend l'eau 4 contre 2. On les voit complètement déstabiliser cette défense de Tiga. Et Kevin Nemia, contré, ça revient vers De Villers. Encore un excellent ballon. Cette tête de Nemia Nemia, magnifique. Rien à dire. Bon John, il va falloir que Tiga Sport, et notamment que Pierre Wadjoka trouve les mots sur cette période, hein, pour... on le disait, remobiliser les troupes et puis surtout trouver peut-être un réajustement tactique où il va falloir bien retrouver ce jeu qu'on connaissait beaucoup plus construit, en tout cas du côté de Tiga Sport. Tu l'as répété en première période, beaucoup de jeux balancés, on va dire, comme un peu ce qui s'est passé le week-end dernier dans le duel de leader face à Yen Gen. Et ça peut marcher, c'est clair que ça peut marcher, hein, si derrière il balance et après au deuxième ballon, le second ballon, il le récupère et ils construisent après, mais il n'y a pas ça. Donc s'il n'y a pas ça, il faut trouver autre chose. Soit essayer de trouver une animation qui va donner du rythme, qui va créer des espaces au milieu. Donc les trois là, les Reynald Uregei, Petro Wadjounou et puis Pierre Bacco, à eux de doubler, de tripler leur course et puis de s'intéresser tout le temps, d'être intéressé tout le temps au jeu. Pas seulement quand on a le ballon. Et ça, il va falloir... se reprendre très très vite du côté de Tiga s'ils veulent garder leur place de dauphin. Donc voilà, faut réajuster, comme tu disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses à ajuster, que ce soit au niveau tactique, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau physique, au niveau mental. Et gagner ces duels. Et gagner ces duels, parce que c'est clair que les duels, c'est à la fois un combat physique mais aussi mental, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au contact. On va voir s'il y a eu des changements côté Pierre Wadjoka. Alors que les deux équipes font leur entrée sur le stade et la pelouse du stade Nouma Dele. Alors que pendant ce temps-là également, eh bien Yen Gen Sport, le leader qui ne tremble pas, il menait en tout cas pour l'instant 2-0 face à l'AS Mondor à la mi-temps. Et la bonne opération aussi, si toutefois cette défaite se confirme, de Tiga, parce qu'il reste quand même une mi-temps. 45 minutes, oui. Bien Nejiu qui ferait une belle opération en revenant à hauteur de Tiga à 39 points. Nejiu qui s'est imposé 1-0 face au Racing Point Dimier en début d'après-midi. Voilà, ces belles images de Tesh avec les enfants. Prennent du plaisir, à contrario de Tiga qui aujourd'hui bien est en grosse difficulté. Est en difficulté et voilà, on faut garder son calme et de passion, ouais. Et puis essayer de vraiment remettre l'équipe sur de bons rails. Réagissez. Ça passera peut-être par l'OS Waya, le buteur qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Avec on espère Tiga qui va montrer un tout autre visage. On est reparti sur les mêmes bases, hein. C'est on donne derrière et ça balance. Il obtient une faute. Allez, il faut de toute façon animer cette rencontre. Il n'était pas sorti ce ballon. Emballer cette rencontre. Plus le choix pour. Ils ont les moyens, ils ont les moyens, ils peuvent. Tête avec un ballon vers André Mala qui dévisse sa frappe. Voilà, on aurait. Pas pu mieux rentrer dans cette seconde période côté Tiga. Il faut garder cet espoir, il y a une seconde période à jouer. Il faut tout tenter. Mais rester lucide et cohérent. Lucide, cohérent et surtout ne pas rentrer dans un excès émotionnel.
Et la faute. Voilà, ils sont rentrés en tout cas avec de l'allant, l'équipe Tiga, qui va vouloir aller bousculer, semer le doute dans cette... C'est ça, il va falloir faire très attention parce que ça, forcément, ça va signifier que cette équipe de Tiga va devoir se découvrir pour essayer de revenir au score. Parce que, ce qui peut rendre les choses un peu plus faciles aussi pour Magenta. Avec tous ces aspects contre-attaque, offensive, si Tiga Sport ne joue pas au mieux les coups. En tout cas, un petit coup franc pour Titouan Richard. Excentré, donc côté droit. Allez, c'est le moment. Ouais. Pourquoi pas de revenir dans cette Tout de suite. C'est tout de suite qu'il faut montrer à Magenta qu'ils sont revenus avec d'autres arguments, Tiga Sport. D'autres intentions. De aussi. Jeu et au niveau mental, allez, ça serait bon pour Tiga Sport avec la sortie de Tiga. Voilà. Et voilà, Jean-Brice Quadriaco qui et relance. C'est Jean-Brice qui relance, cette partie. Ça c'est bien ça. 47e minute de jeu. Et on est reparti sur les chapeaux de roue côté Tiga Sport dans cette seconde période. 3-1. Et c'est à l'image du seul joueur qui gagnait ses duels dans cette première période, c'est Jean-Brice Quadriaco. Seule la révolte, et c'est bien, il faut qu'il continue. Il faut qu'ils prennent exemple. On voit qu'ils reviennent avec d'autres intentions, ces joueurs de Tiga. Et c'est très bien. Et à la Moisan, on va le voir, qui retrouve le bord du terrain. On doit sentir avec son expérience qu'il va falloir guider les siens, ses protégés. On va avoir la capacité aussi à Magenta de garder le score, de tenir ce score. C'est ça qui est intéressant dans le football, c'est qu'on peut basculer... d'une confiance totale à tout l'inverse en l'espace de très peu de temps. Un doute, un gros doute. On va revenir sur cet euro, hein. L'équipe de France face à la Suisse, ça a été totalement ça en l'espace de 5 minutes. Il y a eu un pénalty arrêté par Lloris, si on se souvient bien, et c'est dans la foulée, deux buts inscrits par Benzema. Bon, ça n'a pas souri à la fin, mais et bon. C'est le football, bon, c'est le football. Qui emmène ses doutes avec lui. C'est la beauté de ce sport. C'est ça. Une remise en question permanente. Donc c'est pour ça que 80% du football est basé sur les réactions. Comment on réagit ? Pas du football, hein, de tout ce qu'on vit. C'est réagir à des situations. Donc c'est la capacité de réaction qu'a les joueurs André Mala. Face à une situation. Hop là. Tacler sur le côté droit là-bas. Bon, en tout cas, ça relance ce match. C'est pas pour nous déplaire non plus, on va dire. Superbe la passe là, casser les lignes. Tanakam. Nemia toujours aussi intéressant entre les lignes. Nemia. Conserve ce ballon. Ah, il a feinté tout le monde. C'est ça, depuis le début là, en fait, des fois il exagère un peu sur son nombre de touches de balle. Alors qu'il peut donner, il peut accélérer le jeu. Après c'est un joueur. Ouais. Son jeu. Hop. On va voir quelle adresse technique. Ah, parce qu'il avait envie de jouer avec Kevin. Il aurait pu donner sur son latéral droit, non, il veut donner à Kevin Nemia. Ça. La Moisan, l'image justement qui voilà, dit à sa ligne de serrer. Ouais, voilà, un coup franc encore. Ah, ils montent tous, il n'y a plus personne derrière. Il n'y a vraiment plus personne derrière. Là, ils sont 10 presque dans la surface. Attention, Didou, très bien tiré de la part de Pierre Bacco.
Duel avec son ancien coéquipier Jean-Brice Wadriaco. Ouais, musique faudrait... qui nous accompagne. Ouais. Ah, c'est. Oui, les pannes. Ouais, pas forcément. Ouh, David Wadra dans la surface. Le petit ballon en retrait superbe. Voyez la frappe et la parade de Stevie Rouet. Ils sont pas forcément séduisants dans leur jeu, mais en tout cas, ils. Ils sont sur ces ballons. C'est le deuxième ballon où ils en veulent plus. Il y a David Wadra qui est passé voilà, latéral droit. Wadriaco Jean-Brice qui est passé latéral gauche. André Mala qui a retrouvé l'axe avec aux côtés de Wellepan. Voilà un peu le réajustement de Pierre Wadjoka à la mi-temps. Sur cette ligne de 4 qui l'a bien vu, prenez l'eau. Et pour l'instant, bah, ça paye. On voit David Wadra qui offensivement amène sa fougue. Et l'US Waya dans la surface de réparation, c'est la panique côté. Ah là, Magenta. C'est la panique du côté de Magenta. Donc là, il va falloir gérer ses émotions, pareil pour Magenta, calmer le jeu et faire courir l'adversaire. C'est là où c'est intéressant d'avoir des milieux de terrain qui tiennent ce ballon. Voilà. C'est organiser le jeu, temporiser. Exactement. Et on sent qu'ils sont beaucoup plus sur le porteur, ouais. À bonne distance du porteur de ballon, les joueurs de Tigas. C'est ce qui n'a pas du tout été dans cette première période. Ouais. Cadrer rien. Ils ont laissé jouer hein, clairement leur adversaire. Après, ça, il faut que ça se fasse toute la deuxième mi-temps, pas que qu'une partie de la deuxième mi-temps. L'Ouest Waya, il prend le dessus avec Titouan Richard maintenant, superbe défense. Dommage qu'il ait arrêté le jeu, monsieur Lacour, mais. Attention, franc. Parce que là, Pierre Bacco. Et les duels qui commencent à être gagnés. Ouais. Et carton jaune pour. C'est ça, parce que la défense de Magenta n'est pas forcément. Elle est quand même fébrile. On a vu tout à l'heure sur des actions avec Charoine et Makam où ils se sont mis en danger. Ça a été concrétisé par Titouan Richard. Il y a eu une faute même sur lui, peut-être un pénalty. En tout cas, on avait une défense qui était. Un franc très, très intéressant pour Pierre Bacco. Ah, c'est sa spécialité. On se souvient du coup franc qu'il a mis contre. Je ne sais plus. En tout cas, c'était un beau coup franc, mais c'était pas au même endroit. Bacco, ou directement dans le mur, c'est pas fini avec Ronald Urégay. Deuxième chance. Il y a en jeu. Une superbe encore parade de Rache. Rache qui ça s'anime en tribune aussi. Ouais. On revoit ce mur. Il est venu s'interposer sur le coup franc de Pierre Bacco. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, voilà. Plus présent dans les duels épisodes, David Wadra qui prend les espaces. C'est ça, exactement. Voilà, ils sont là, ils sont au deuxième ballon. Wadriaco, bien fait dans l'axe. Reggae. Voilà. Enfin. Et on retrouve le jeu, forcément. Et ça a déboîté des deux côtés, là. Enfin, en tout cas, deux tacles. Allez, une deuxième chance pour Pierre Bacco. C'est Makam et Foubert ensuite. Foubert, il a tout arraché, mais par contre. T'as emporté par son élan. Et à nouveau, Tiga qui campe dans la moitié de terrain de Magenta. Je crois que c'était cette distance la dernière fois. Pour Pierre Bacco. Ouais,
Allez. Bako, à nouveau, au coup franc. Murat 3. Wow. Encore Ouadra. Des solutions. Trouve une solution dans l'axe. Jean-Brice, c'est Ouadriaco qui allonge. C'est inutile. Yengen qui mène toujours 2-0. Côté de Koné. Face au Mondor. Cette faute le manque. Allez, long ballon bien fait, Foubert de la tête et bien joué de la part de Bako. C'est ça, c'est JB qui est passé à gauche dans l'axe, c'est Willy et Dédé André Malin et à droite David Ouadra. Et ça amène forcément beaucoup de solutions avec deux latéraux qui montent beaucoup plus. Et c'est très engagé dans cet entrejeu. Bien fait, le petit Roberto Waya qui s'est imposé. Alors on espère qu'il y a un joueur qui reste à terre, ça ira. C'est l'Ouest, il me semble. Oui, c'est l'Ouest. Je crois qu'il peut s'étendre la cheville. Ouais. La cheville qui a tourné. Allez, c'est parti. Ballon, tout pas ici, sans problème. Waya. Que Foubert. Et voilà. Petro Wadjonou. Après, ils défendent en avançant. C'est ça, c'est aussi ça qui change la donne. C'est bien. Côté Tiga, et c'est une bonne chose. Un bien meilleur visage. C'est ça. Quoi qu'il arrive. En tout cas, sur ces 15 premières minutes, Tiga a un petit avantage. Au niveau des duels, au niveau de la construction. Peut-être pas trop, mais en tout cas sur les duels, Tiga est nettement supérieur à Magenta. Et John, il y avait aussi un beau duel, hein, très attendu en Super League Futsal tout à l'heure. La SPTT, le leader face à son dauphin Sco Quartier Nord, score final 3 buts partout. Ah, voilà. Voilà, le temps fort s'atténue un peu côté Tiga. Ils sont revenus vraiment très costauds sur ce premier quart d'heure de la seconde période. Magenta qui doit faire le dos rond.
qui devrait procéder en contre. Il ne faut pas que Tiga baisse de rythme. C'est ça. Il faut que Magenta commence une gestion de match intelligente. Parfait, Richard. On retrouve Titouan Richard avec un ballon dans l'axe. Oh là. Attention, Stevie Roué. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là, mais s'il commence à compliquer lui aussi, ça peut rendre les affaires difficiles pour. Et on les voit beaucoup plus présents sur le pressing. Ça. Et Magenta qui veut quand même repartir court. Hein, c'est ça, faut qu'il... On voit la Moisan en bas de l'écran là qui. Ouais, parce qu'ils ont essayé de le faire tout à l'heure et ils savent pas le faire. Donc il faut qu'ils apprennent à l'entraînement pour pouvoir le faire après correctement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut pas avoir honte de dégager. Surtout quand on mène 3-1. Et c'est ça. À jouer avec le feu, on se brûle après. Allez, De Villers. Rowney. Avec Waitreux, ouais, ils sont là. Attention à Kevin. La voilà, récupération des joueurs de Tiga Sport, faut se parler. Bien joué. Voilà. On ne prend pas de risque. C'est bien ça, pas de prise de risque. Allez, un changement côté Pierre Wadjoka à venir. Ouais. Pierre Yekawe va faire son entrée. Nemia, Kevin Nemia. On n'avait pas vu depuis un moment. Kevin Nemia qui obtient peut-être le corner, ce ballon qui passe là, tout à l'heure, on avait Adriaco. C'est le deuxième. Attention. C'est le premier. Roberto Waya également qui... averti. Non, c'est Kenny Waitreux qui avait déjà un jaune. Et on allonge. En tout cas, ils sont au second ballon. Énorme chandelle, plein axe. Bien roué les pannes. Et récupération de Nemia. Kevin Nemia qui fait la différence. Bien fait. Il attend le soutien à droite. Certainement, ça va venir. Avec ce ballon qui faillit passer. Il aurait pu jouer à droite. Oui, les pannes un peu en difficulté aujourd'hui. Voilà, c'est 4. Hop là. Il n'y a rien visiblement. Ok. Saya. Ah là, ça devient. Et attention, carton rouge. Carton rouge pour Martin Racan. C'est clair. On disait attention aux biscottes. Et le match qui est en train de. Vérité, il est en train de basculer complètement. Alors, on va c'est une chance ça, pour. On va dire rien, Martin Racan. Juste avant, voilà. Pied en avant de Pierre. Ah oui, il y a faute. De David, il y a faute, ouais. Oui, il y a faute. Mais juste avant, il y avait un jeu dangereux de la part de David Baronnet. Alors, sortie de Guinaudot, Clément. On va peut-être demander au coach les consignes là, du coup, parce qu'on va rééquilibrer cette défense à 4. Il y a une rentrée qui va être effectuée par Alain Moisan. Il avait été impérial jusqu'alors, Martin Macam, mais malheureusement deux cartons jaunes qui coûtent cher. Pour l'instant, il reste 25 minutes de jeu. Cher au score, mais ouais. Il reste quand même 25 minutes. 25 minutes, c'est vachement intéressant. Ils peuvent. Alors là, la rentrée de Jimmy Wauni. Qui va sortir, ça va être Nemia Nemia, je pense. Non, ah, c'est Foubert. Ça va être Foubert. Et Nemia qui vient aux consignes. Non, c'est lui qui veut sortir, c'est je crois, Nemia sort. Nemia. Ah voilà, il sort aussi, donc double entrée. Celle également de Désiré Ouanès. On va essayer de renforcer un peu le milieu. Voilà, et ben, c'est ce qui manquait aussi du côté de Magenta sur cette deuxième mi-temps.
Ratisseur. On va voir si. Là, c'est David Berrounet. Frappe directement dans le mur. J'ai vu Magenta à 10. Hein, on les voit quand même. Tigaspor, c'est pas pareil. Ouais. On les a vus à 10. Ils ont... C'était contre. Ils avaient réussi à tenir tête, voire gagner le match. Gagner le match à 10. Alors la double entrée également. Côté Tiga. Titon Richard qui sort. Titon Richard. C'est quand même surprenant. Et Uregay, il me semble. Avec oui, Uregay et Titon Richard de Tado. Pierre Kawe et Chen. Tado. Chen Olepan. Brassard qui revient en. Je crois que c'était le joueur le plus actif, Titon Richard, celui qui a créé le plus d'occasions. Et bien, il sort. C'était contre 3 nonos hein, qu'ils avaient gagné à 10. À 10, ça. L'ASM, sur le score de 3 hein, d'ailleurs. Là, faut qu'il simplifie son jeu. Faut qu'il simplifie son jeu, Kevin. Là, surtout dans cette situation là où ils sont 10. Garder le ballon, c'est garder dans le camp adverse. Par contre, dans son camp, c'est simplicité de jeu. Faute de Jean-Brice Souadriaco sur Nemia. Et le chrono qui défile en faveur de Magenta. Ah, ça va être difficile. Rognier. Il dit ça va être difficile. Il ne faut pas avoir peur de dégager. Et où les pas avoir peur de dégager. Je comprends pas pourquoi il. Il veut jouer à un jeu qu'il ne maîtrise pas. Alors il y a quand même côté Magenta, Tchawene averti, Waya, Waitre, Makam qui vient de sortir, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Attention. Ouais, c'est parce que c'est des erreurs qu'ils font sur. Allez, une touche et repart après. Ça, c'est. Kevin Nemia. Essayez de trouver des. Ah, c'est là, il ne faut pas précipiter. C'est ça, il faut qu'ils ne comprennent pas, Tiga, que. Voilà, ils continuent. Bah, il y a mettre la pression, mais le faire intelligemment. Oui, ouais, non, mais ils continuent. Il va falloir qu'ils restent comme ils ont fait. Ils n'ont plus leur jeu. Ouais, voilà, poser le jeu, de temps en temps, allonger. Mais ils n'ont pas posé le jeu, là, pour l'instant. Ils ont gagné leur duel. C'est ça, c'est des duels qui ont été gagnés. Puis... En tout cas, là, c'était bien fait ce ballon. Mais, pour l'instant, le jeu de Tiga, c'est pas le jeu de Tiga qu'on voyait au début. C'est séduisant avec des jeux courts, construits, alternés. Le premier quart d'heure, mais avec un bloc plus haut. Ouais. C'est ça, il faut qu'ils aillent chercher très haut maintenant. Ils sont à 11 contre 10, il faut aller chercher, il ne faut pas attendre, il ne faut pas balancer surtout. Parce que Magenta, voilà, c'est. Ça devient léger maintenant Magenta. Il faut savoir en profiter, voilà, il faut juste être patient, tranquille, essayer de construire encore. On voit une faute un peu bête et ça va offrir un coup franc. Allez, c'est là qu'il faut profiter, Tigaspor. Profiter de. C'est bien tiré ça d'ailleurs. Avec Sylvie Roy qui en deux fois s'interpose. Voilà. Et le public de Nouma Dele emballé par cette seconde période. Réduction du score à Koné de l'AS Mondor. 2-1 pour l'instant pour Yann Gainsport. Il reste un peu de temps là-haut. Il
Voilà, tout le monde monte. Pourquoi il dégage pas ce ballon? Bien sorti Guinaudo. C'est son match, Guinaudo. Encore, vraiment, c'est, je ne sais pas qui c'est ce joueur là depuis. Il a perdu, je ne sais pas. Rodriaco. Là, ça devient du Robert Moya, là, ça devient n'importe quoi. Et il perd, je ne sais pas combien de ballons il a perdu en deuxième mi-temps. Ouais. Au milieu, c'est. Ah, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ils sont pas qu'ils sont en difficulté là, les blancs ils peuvent pas dégager et, puis, et les rouges plus à, il faut qu'ils s'appliquent à jouer au sol, à jouer simple, pas de envoyer les. Attention, par contre on a trouvé la solution dans cette surface heureusement. Ah, ça devient de moins en moins agréable à voir. Tout à l'heure au moins on avait Magenta qui construisait, qui faisait le jeu. Là on a du on balance et on voit ce qu'on fait. De l'autre côté, Magenta qui veut essayer de construire mais qui n'arrive pas, qui eux devraient balancer justement pour donner de l'air. En tout cas, ça offre un corner avec la prise de balle non, du point de la part de Steve Roué. On se dégage. Voilà, comme ça on a donné de l'air et sortir tous les 10 là. Voilà. Et on balance encore avec. Parce que Tigasport, c'est ça. Le problème, c'est que. Il devrait s'appuyer sur ça. Tigasport, ils savent faire que balancer là aujourd'hui. Donc allez jouer loin devant, sortez le bloc et puis. Et Tigasport, faut qu'il change de méthode, de stratégie là. Essayez de jouer au sol, jouer simple. Ah, lui, c'est hallucinant. Le nombre de ballons aussi qu'il perd. Je sais pas qui c'est. Le numéro 21 là. Ah, Désiré Ouanès. On rappelle donc juste avant, hein, Watch et Kounis sont partagés sur un score nul de. Sont quittés sur un score nul de. Sont partagés les points, un but partout. Un but partout. Et que SNJ s'est imposé 1-0 face à Point Limier. À Koné, actuellement, Yengen mène 2-1. Mène 2-1. Demain, n'oubliez pas, la SLOC reçoit la JS Baco ici même au stade de Madalé à 14h. Pour clôturer cette journée. Cette 14e journée, la première de la phase retour de la Super League et un match reporté aujourd'hui. Passo qui devait recevoir Juan Ono, problème d'avion. À nouveau donc Passo qui devra attendre pour disputer sa rencontre. Alors que les Maréens affronteront le SNJU samedi prochain à 15h au stade de La Roche. À Marais, match en retard également dû aux avions. Allez, il va pas. Voilà, bien joué ça. Voilà. Ça a vu. Ah oui. Attention en contre. Allez, la SM qui peut pas enfoncer le clou, ça serait. Peut-être tuer le match, ce centre du pied droit de Nemia. Pourquoi il veut aller chercher ce ballon? Laisse-le ce ballon. Allez. David, il reste un quart d'heure pour Tigasport. Ouais, il n'y a plus trop vraiment de jeu. Il n'y a plus de jeu. Tiga devrait faire le jeu. Pourquoi balancer à chaque fois? Pourquoi balancer? Ah, mais ils obtiennent le corner. Ah, peut-être qu'à force. À force, hein, à force de persévérer, à balancer comme ça. Et derrière, Magenta, eux, ils devraient balancer pour se donner de l'air. Et ils veulent jouer encore. C'est vrai que c'est étonnant qu'on connaît la qualité technique de ces joueurs de Tiga. Tiga, je comprends pas. Ouais, c'est clair qu'ils ont des éléments justement pour développer. Oui, puis surtout que c'est le jeu quand même prôné par Huawei. Par Huawei, oui. Et là, après, je ne sais pas, parce que là, si tous les joueurs, à chaque fois, quand ils ont le ballon, ils balancent devant, et que
c'est, ça n'a pas été rectifié. Au première mi-temps, ça a été ça. Deuxième mi-temps, c'est la même. On peut se poser des questions si, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont les qualités pour. Ouais, c'est peut-être la confiance qui manque sur ces deux week-ends là qu'on vient de voir avec Tigasport. Retrouver confiance, et qui dit confiance dit geste juste techniquement. Et donc jeu un peu plus construit. Bon, en tout cas, pour l'instant, le match qui n'est pas terminé avec un ballon pour l'OS Soya dans la surface de réparation où elle est panne. La frappe, la réduction du score, c'est incroyable. David Berrounet. David Berrounet. Mais ils se mettent en difficulté, c'est bien. Il reste un gros quart d'heure. Un gros quart d'heure de jeu, c'est bien. Et c'est la folie dans les tribunes. C'est la folie dans les tribunes. Mais Magenta donne les moyens à Tigaspor de pouvoir. Ils veulent jouer à la baballe derrière, ils veulent. On voit ce beau travail là côté gauche. Ouest voilà qui cherche où les pannes. Et c'est là, Guinaudot, il part dans l'axe, il ne doit pas sortir de. Il était bien là où il était. Donc allez. 3-2. 3-2. On a du suspense. C'est au moins ça. Suspense. Yes. Et ça serait. Ah, c'est quand même réduit. Un peu inattendu, mais allez. On l'avait dit à la mi-temps. Que les duels, s'ils arrivent déjà à les gagner, c'est si pas fini. Tiga n'est pas dans un grand grand jour au niveau football proprement dit. Ouais, ils carrément. Sont mis dans le sens de la marche. C'est ça. De la marche en revenant vite au score. Et puis ils vont peut-être revenir le week-end prochain, mais en tout cas sur ce le jour d'aujourd'hui là, voilà. Non, il croit qu'il va changer tout seul. Il faut qu'il joue avec tout le monde. Ça, faut qu'il. Allez. John, on rappelle qu'on aura une pause hein, le week-end prochain en Super League. Sauf du côté de Marais. Que nous, on se retrouvera le 31 juillet sur la FCF TV Web avec deux nouvelles belles rencontres à suivre sur la FCF TV. Et notamment un. Magenta Yengen. Et Kouni Dembéa également au programme. On retrouvera l'équipe de l'île des Pins. Wadriyako dans la surface. La frappe. Attention. Allez. Ça va être long. Ça va être long pour Magenta. Je pense que Alain Moisan va commencer à regarder sa montre. Il sent que c'est en train de. Après, ils se sont mis dans la. Difficulté tout seul, hein, Magenta. Après, Tigasport s'y reviennent. C'est bien joué de leur part. Il faut qu'ils continuent à pousser. Attention, cette tête, la frappe. Oh là là, oh, sauvetage sur sa ligne. Et le contre. Allez, faut tenir côté qu'il joue. Ouais, là, le problème de Kevin. Proche de l'égalisation. Et bien, à un moment, il croit qu'il peut changer les choses tout seul. Mais non, il faut qu'il s'appuie sur ses joueurs. Et Tiga, il faut qu'ils adoptent. Ouais, bien joué encore Louis. Oh là là, il a failli marquer encore JB. Ouais, c'était tout proche de l'égalisation du doublé du latéral gauche de Tigasport. Qui aurait été exemplaire malgré tout lui aujourd'hui. Oh, ça aurait été comme un symbole qui marque un doublé. Fabrice. Ouais, il va essayer de le chercher. Ah, je comprends pas. Là. Pourquoi le joueur de Magenta qui a amené de l'allant vraiment sur son côté là. C'est trop précipité. On est 10 minutes de jeu encore pour Tiga. Ouais, faut patient côté Tiga. Patient, faut qu'il soit patient, faut qu'il joue au sol. Ils sont 10, ils n'arrivent pas à maîtriser leur sujet là, Magenta. Ils compliquent leur jeu. C'est là, il faut profiter encore plus. Et l'entrée de Jérémy Latoupi. Côté Magenta, on revoit ce centre. Faut pas paniquer côté ASM, faut rester serein dans les têtes. C'est là où les cadres doivent être importants. L'Agnac, le calme. Magenta. Côté Magenta dans la sortie de. De Kevin Lemire. Non. Kenny Waitre qui sort. Et il reste 9 minutes. 9 minutes de jeu pour Petit Gasport. Reviennent déjà. Supporter qui se régale. Hop là. Du suspense.
cloche. Nice. Magnifique défensive de Ouadra. Voilà, bien fait ça. Passement de jambe, il est passé. Vas-y, il veut changer les choses tout seul, mais il mène. De frapper, ça permet à Tiga de jouer vite après le ballon. Garde le ballon, va au poteau de corner. C'est ça la gestion de... Là. Il faut qu'il aille vers le poteau de corner là-bas. C'est gagner du temps. C'est... Ouais. De frapper et tenter, c'est s'épuiser. Perdre de l'énergie, puis donner l'occasion à l'adversaire de jouer vite. Voilà, vers où vers le poteau de corner. Centré. Dégage un peu côté Tiga, le panne, repris, avantage laissé par monsieur Lacour. Nemia, ouais, il perd trop de ballons. On a fait ça la toupie. Ouais. Pareil. Ah, bon ballon là. Là bon c'est ballon, ça, allez, c'est comme ça. Allez. Oh, petit crochet court là du virevoltant Pierre Icaoué. Et encore un jaune. Nous en sommes à 5. Il faut qu'il s'applique le petit Wanese là, surtout sur ses. À perdre des ballons à chaque fois. Là. Et puis. Le petit gars, il a apporté quand même pas mal de fraîcheur le petit Icaoué là. Ouais, il est très percutant. Et on va encore profiter de ces coups de pied arrêtés côté Tiga pour aller mettre le feu dans cette surface. Finalement, c'est ce qui aura marché pour l'instant. Ouais, bah pour l'instant, bah, on a l'impression que. Attention, avec Héroé battu au doigt l'aérien. Ouh là là. Voilà. Bon ballon en cloche à nouveau. Ouadra. Ouais, c'est la partie. Côté ASM et on balance. Avec belle remise de la tête. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'était pas en jeu. Il couvre le but. Il était en jeu, non? Ah non, c'est vrai. Ouais, il n'y avait pas en jeu. Hein. C'est dommage que c'est une action gâchée. On a deux équipes qui exploitent pas au mieux leur, leur vrai, potentiel. Hein. Ouais, non, non, il était pas en jeu. Intelligent et dommage, Loé Soya qui rate sa frappe. Ils peuvent, Tiga, allez. Les Magenta, bah, ils jouent mal le coup. Hein. Ils peuvent. Voilà, ils gagnent leur duel en plus, Tiga. Ils sont sur le deuxième ballon. Mais oui. Ah, le petit crochet. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il veut faire son crochet. Ah, c'est mon ballon. Carton jaune encore. Ah, bah, c'est clair. Il s'est énervé tout à l'heure. Allez au moins arracher le match nul, voire gagner. Ça, c'est je crois qu'il y a eu 7 cartons jaunes pour Magenta. Magenta. Président Messot qui va être content. Parce que ça, c'est combien 1000 francs le. Non. Non, mais après, ils ont eu. Ouais. Parfois un peu inutile ces fautes et averti parfois logiquement quand même. Ouais, faut qu'ils sortent jusqu'à c'est voilà, c'est bien ça. La toupie, il a raison de les faire sortir jusqu'à le. Voilà, c'est ça. Il reste un peu moins de 5 minutes, John. Ouais. Tout allez. Est à faire encore pour Magenta qui tient pour l'instant quand même sa victoire. Et c'est tiré beaucoup très trop mal lointain. Tiré. Ouh là là, triple changement côté Magenta. Ouais, c'est Pierre Wadjoka donc qui tente le tout pour le tout. Henri voilà, et qui rentre. Kevin Nalaïn Charles. Et Waimadra Charles qui rentre. C'est aller trouver de l'animation sur le côté droit. Alors que c'est le côté gauche qu'il faut animer de plus en plus parce que c'est là où. Je crois offensif hein, pour Wadjoka. Ouais. Sorti aussi de Pierre Bacco et André Mala. Thank you.
Allez. Encore 5 minutes pour les joueurs de Wawes. Revenir à 3 partout. Peut-être gagner. 10 les joueurs de Magenta. Allez, ils se battent les joueurs de Magenta. Ah, de toute façon, il faut tout tenter maintenant. Ah oui, là, faut. Yann Gann qui s'est imposé 3 buts à 1. Face à l'AS Mondor, c'est fini. Et donc Yann Gann qui enchaîne une 11e victoire. Ça, c'est des fautes inutiles, ça. Ils prennent le large, les nordistes. Ah bah, ça y est, ça. 47. 47 pour l'instant, Nedjeu et Tiga à 39. Avec un match en retard pour Nedjeu. Ouais. Là, comme Nedjeu, ils peuvent être à 43. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Wadriaco, les dernières munitions utilisées pour. Allez, 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 faut aller de l'avant. Tiga Sport, il y avait une main quand même. Il l'a pas vu, monsieur Lacour. Ouais. Allez. Faute. Faute sur David Berounet. Je crois qu'Alain Moisan est en discussion avec Bertrand Royal, mais. Ouais, on va revoir. Une petite main là au début de l'action. Et en tout cas, on est bien du côté de la cage à Steve Hirouet. Steve Hirouet, il reste 2 minutes. Alors, on ne sera pas ennuyé. Ouais, ouais, c'est. On a été un peu. Même s'ils ont adopté une. Déçu sur le jeu. Style... Exactement. Là, je suis d'accord avec toi que sur le jeu, Tiga Sport n'a pas offert. Enfin, en deuxième mi-temps, les deux. Mais si. Mais on a du suspect. Ils ont le mérite, voilà. De revenir dans le match en inscrivant 2 buts. En pressant. Et vous les pannes. Petit ballon bien tiré dans cette surface. Attention, second poteau. Et voilà. L'égalisation, pardon. Incroyable. Willy Wellepan. Willy Wellepan. Qui était totalement seul. Ah, c'est dur pour l'ASM. Ouais. Qui a mené tout le match. Et une remontade incroyable. Alors que l'on joue la 89e minute de jeu. C'est Willy Wellepan qui égalise. Décidément, ils sont pas vernis là, SM, hein. Sur ces fins de match, ouais. Ils perdent des points. Non, mais ils créent tout seuls, ils se mettent en difficulté tout seuls. Et on va revoir donc ce bon coup franc, la tête du nouvel entrant, Kevin Nalain. Non, c'est Didou, c'est Didou qui marque. Willy oui, Wellepan. C'est Nalain qui prend le dessus et puis Willy Wellepan ensuite. Ah. Et c'est pas fini parce c'est que pas fini, ils peuvent, ils là, peuvent, ils restent, allez, 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 allez. Ils peuvent aller chercher cette victoire. Ah, il y en a qui pour qui ça sourit et forcément c'est plus difficile pour le supporter de l'ASM qui à la mi-temps vraiment croyait à la victoire, même si c'est pas fini. Ah, mais ils ont provoqué cette ouais. situation, les joueurs de Magenta. Ils avaient les cartes en main. Manque d'expérience. Manque d'expérience et puis aussi excès de. C'est au lieu de jouer juste, c'est plus s'amuser à. Mais non, mais là, c'est à envoyer au charbon ton joueur. Là, c'est pareil. Garder le ballon. Et on allonge. Attention, attention. Attention avec ce. Perforation dans l'axe. Et on revoit ce but avec. Louis. Il n'y avait pas d'enjeu. Donne... Ah non, il n'y avait pas d'enjeu. Il me semble hein, que. Ouais, ah, c'est je sais juste, pas. Juste. Si on peut revoir encore. Ouais, c'est clair qu'il est peut-être un peu. Il est peut-être hors jeu. Ah, il est en jeu. Ouh, non, pas sûr. Il faudra couper, disséquer ça. Pas sûr.
Je pense pas finalement, en revoyant l'image avec la caméra latérale. Merci à la production. Salut l'équipe télé là qui vous permet d'offrir, de vous offrir ces beaux moments. En tout cas, 3 buts partout. On est dans le temps additionnel. Voilà. Décidément un sacré match. On reste sur nos stades de phase aller avec beaucoup de buts. Encore aujourd'hui. Et c'est son deuxième. Oh là là, c'est là. Je crois que c'est le 8e ou 7e. Par monsieur Lacroix. Alors... C'est vrai que des fois c'est des fautes un peu inutiles, mais. Allez. Il n'a pas fait de cadeau en tout cas sur cette deuxième mi-temps. Il y a eu une pluie d'avertissements. C'est là où Magenta, ils comprennent pas que là, c'est. Attention, Wellepan, Sean Wellepan, la frappe de Wellepan et le corner, oh là là, ça va chauffer. C'est là sur où cette, Magenta, ils comprennent pas. Cage de Stevie Roux. Ils continuent à s'embourber dans leur jeu pas précis avec des joueurs qui sont. C'est tiré rapidement. Ballon dans la surface de réparation. Wellepan, petit ballon vers Wadriaco. Jean-Brice Wadriaco qui va se mettre sur son pied gauche, c'est bien défendu ça. Et il a glissé malheureusement. Ruiné. Et il va mettre une longue touche. Quel Allez. Match à suspense. Et l'Ouest, il est où là? Ouais, il est là. C'est lui qui va aller à la tête. C'est dégagé. Il n'est pas sorti ce ballon-ci. Ah, c'est. Ouais, il a mis là, du temps. Coup. Pourquoi il a mis du temps, Didou? Allez, gardez ce ballon. Les blancs de Magenta. Il faut au moins tenir le nul, hein, à moins que. Non, il peut pas. Il peut pas aller. Il obtient la faute et un nouveau carton jaune. Henri Wawa là est averti à son tour. Il faut envoyer dans la surface là, de réparation. On ne sait jamais. Ouais, non, un scénario. Là, je ne sais pas ce qu'il a sifflé. Je sais pas ce qu'il a sifflé. Allez, Magenta. Oh. En tout cas, on aurait vu deux visages. Un visage de Magenta en première mi-temps séduisant. Moins séduisant pour celui de Tigre. Et puis en deuxième période, bah, là, non, n'oublie pas que Tiga au niveau des duels. C'est l'équipe en reconstruction. Et c'est ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça n'a pas été sifflé. Ah non, c'est la toupie qui appelle à l'ordre. Il ne devait pas partir en France, la toupie, parce qu'il évoluait dans l'Axe au départ avec Macam. Non, c'est pas lui. Sur ce ballon. Pourquoi il a voulu jouer avec la main, il va se prendre un carton. Voilà. À la dernière minute. Que... Ouais, et voilà, c'est fini. On s'arrête là-dessus. Bah... Avec de, ce match nul, Magenta qui pourra nourrir des regrets. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était une seconde période où ils se sont un peu décomposés. Mais les, à cela, avec cette exclusion de Macam qui était quand même le pilier à nouveau ouais, cette c'est défense. Ça. Et puis Tiga qui. Bon gré malgré a su trouver les ressources pour aller chercher ce match nul. Limite la casse quand même l'équipe de Tigas. C'est ça, ils limitent la casse, ça leur permet d'être toujours au contact de Nedjehu. Mais bon, il va falloir faire... Bah, il reste second aujourd'hui, il repasse à 40 points de plus. Yann Gen qui s'envole à 7 points d'avance avec cette victoire. Ouais. 3 buts à 1 face à l'AS Mondor aujourd'hui. On a vécu quand même un scénario assez fou parce assez qu'il y fou, avait 3-0 ouais. à la mi-temps. 3-0, on ne savait pas comment clairement, Tigas pourrait aller revenir parce que leur jeu, forcément, n'était pas séduisant. Et là, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas misé sur le jeu à proprement dit, mais plus à essayer d'aller chercher des ballons très longs et c'est de gagner ce deuxième ballon qui pouvait leur permettre de marquer des buts. C'est ce qui s'est passé. Puis, on va revoir les moments forts de cette rencontre. Voilà. Avec voilà, cette complication on avait dit un ASM
Ah, le premier but. Dominateur. Clairement dans cette première période. Et c'est le premier but de Kevin Nemia. Et là, quand c'est collectif, on voit qu'ils arrivent à créer des occasions et à marquer des buts. Quand ils sont plus dans les individualités. Bah, et à l'image de cette action, on avait une équipe nonchalante de Tigasport en première période, notamment dans les duels. Et c'est Foubert qui vient. Qui doublait la mise, qui faisait les breaks. On jouait depuis 27 minutes. Et ça s'enchaînait ensuite hein, avec. On le voit une défense complètement explosée du côté de Tigasport. Les 4 contre 3. Se fait contrer, ça revient dans les pieds de Villers. Le petit ballon. Là, ils regardent tous. Et tous regardent. On voit Titouan Richard qui devrait le poser. 3-0. Et on se dit là. C'est fini. C'est mal parti pour Tiga. Et en fait. Et les changements aussi apportés par Pierre Wojcik à la mi-temps ont amené de l'allant, je le disais, à cette équipe. Qui est très vite réduit le score avec Jean-Brice Wadriaco. Ouais, c'est que sur des coups de pied arrêtés où ça n'a pas été dans le jeu. C'est bien aidé. Et forcément, ça a commencé à semer le doute dans cette équipe de l'ASM avec le virevoltant, la belle rentrée hein, d'ailleurs, à noter de Yekawe. Le ballon qui revient vers Béarouné, la frappe, ça faisait 3-2. Et il restait un gros quart d'heure à ce moment-là de la partie. Et puis, alors j'aimerais bien revoir le ralenti. Bon. Sur la latérale, la caméra. C'est limite. Hein. Mais en tout cas, ça fait 3-3. Alors, le capitaine, à ce moment-là, Wellepan, qui offre le but de l'égalisation. C'est limite. C'est difficile à juger, hein, de toute façon. Bon, en tout cas, on a resté. C'est 3-3. En tout cas, on n'aura pas vu 3 partout. On n'aura pas vu une équipe de Tigasport nous montrer un beau visage aujourd'hui. Première mi-temps intéressante pour Magenta. Puis après, ce qui a été intéressant pour Tigasport, c'est ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs contre Yengen, cette envie de gagner les duels et donc de gagner les duels. Les duels, en tout cas, ils auront réagi. Cette envie de réagir. En seconde période, au moins sur ça, cet engagement qui a permis d'arracher le match nul. On va se quitter là-dessus. On n'oublie pas que demain, donc l'OSI reçoit Bako à 14h ici même au stade de Madélé. John, ça ne viendra pas clôturer cette 14e journée et cette première journée de la phase retour, mais en tout cas, ça viendra clôturer le week-end. On se retrouvera dans 2 semaines. On va te laisser souffler un peu, John. Il n'y aura pas de match. Voilà. Et on se retrouvera ici même à Nouma Delhi pour la 15e journée. On vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Un bon week-end et soyez prudents sur le dimanche. Ciao.